Vous écoutez RTL. VDB, la vie de Berne. Régis Maillot. Merci. Alors Régis, le grand Charles, l'immense Aznavour, nous a quittés. Une disparition qui nous a beaucoup touchés dans La Bonne Heure, tant nous aimions l'œuvre et le bonhomme qui nous avait rendu visite plusieurs fois à ce micro et régalé de son esprit. Depuis, Stéphane Bern est atteint d'un drôle de symptôme, une Aznavourite aiguë. Je vais te faire une confidence, Maillot. Que c'est triste, Venise. Le soir, sur la lagune, quand on cherche une main que l'on ne vous tend pas. Je suis d'accord, patron, avec vous, mais là, on est sur les quais de Seine. Hein. Vous faites la conversation avec Clodo. Oh, tu as raison. Partons. Adieu, tous les pigeons qui nous ont fait escorte. Adieu, pont des soupirs. Pont de l'Alma. Bon, je vous dépose au bureau. Non, chez moi, à ma nouvelle adresse. Vous avez déménagé? Oui, j'habite seul avec maman. Pas rue Sarrazade. Dans un très vieil appartement, rue Sarrazade. Pas du tout, vous habitez dans un hôtel particulier à Pigalle. Il y a du passage, hein. Ne m'interromps pas, Maillot. Je sais très bien où j'habite. D'ailleurs, j'ai pour me tenir compagnie une tortue, deux canaries et une chatte. N'importe quoi, vous avez deux teckels. Vous n'êtes jamais chez vous. Mais pas du tout. Très souvent, je fais le marché, la cuisine. Ça m'étonnerait, vous avez horreur des tâches ménagères. N'importe quoi, je range, je lave, j'essuie. Écoutez de moi, je vous ai jamais vu tenir un torchon. Tu me connais mal, Maillot. Tu sais qu'à l'occasion, je pique aussi à la machine. À la machine à sous, hein, c'est ça. Moque-toi, Maillot. Le travail ne me fait pas peur. Hein. Je suis un peu décorateur, un peu styliste. Ouais, vous êtes décorateur en vieille pierre. Ce sont mes loisirs. Mais tu sais, mon vrai métier, c'est la nuit que je l'exerce. Sans déconner, moi qui croyais que vous étiez un bonnet de nuit. Parfaitement. Sache que j'ai un numéro très spécial qui finit en nu intégrale. Ah. Après striptease. Surtout, donnez jamais l'adresse à personne. Hein. Ah, je suis scotché, ça finit tard votre truc? Vers les 3h du matin. Faites quoi après? Oh, on va manger entre copains de tous les sexes dans un quelconque bar tabac. La rotonde, c'est pas un bar tabac, je suis désolé. Hein. Et là, on s'en donne à cœur joie et sans complexe. On déballe des vérités sur des gens qu'on a dans le nez. On les lapide. Ah bah voilà, je vous reconnais enfin. Je vois que ça va mieux. Allez, viens. Patron, on va boire un verre, ça va nous détendre. Oh, c'est drôle, Maillot, ce que t'es drôle à regarder. Je sais pas trop comment je dois prendre cette phrase. T'es là, t'attends, tu fais la tête. Et moi, j'ai envie de rigoler. C'est bizarre ce soir. Oui, c'est l'alcool qui me monte à la tête. Mais vous supportez pas l'alcool, patron. Pourquoi vous avez bu autant? Afin de puiser le courage de t'avouer que j'en ai marre de toi. Ben pourquoi? J'en ai marre de toi, de tes commérages. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, mais tu m'exaspères, tu me tyrannises. Subis ton sale caractère sans oser dire que t'exagères. Moi, j'exagère? Oui, t'exagères, Maillot. Tu le sais maintenant, parfois je voudrais t'étrangler. En ce moment? Mais ce que j'ai encore fait? Tu te laisses aller. Mais pas du tout, je fais mon job. Mais oui, mais devant les invités, là, quelle catastrophe. Tu me contredis, tu m'apostrophes. C'est normal, je suis le sniper de l'émission. Oui, bah avec ton venin et ta hargne, tu ferais battre des montagnes. Hein. J'ai décroché le gros lot le jour où je t'ai rencontré. Bah, c'est vous qui m'avez engagé. Hein. Oh, si tu te taisais, Maillot, ça serait trop beau. Mais tu te laisses aller, Oh là là, j'ai trop bu, je me sens pas bien. Oh non, patron, mes pompes là. Allez, bon, allez, on va faire un tour dehors, ça va aller mieux. Hein. Pardonne-moi, Maillot, pour tout à l'heure, je suis fatigué en ce moment. Qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai travaillé des années. Ouais, ben, comme tout le monde. Oui, mais moi plus. Sans répit, jour et nuit, pour réussir, pour gravir les sommets. Bah ouais, mais vous y êtes arrivé. Oui, mais en oubliant souvent dans ma course contre le temps mes amis, mes amours, mes emmerdes. Oui, mais ça, c'est la rançon du succès, patron. Hein. En même temps, maintenant, vous connaissez du beau monde. Mes relations? Ah oui, sont vraiment haut placées. Pourquoi vous riez? Vous voulez dire décorée? Très influente, Maillot. Bedonnante? Oui, mais des gens bien, ils sont sérieux. Bon, c'est vrai que parfois, ils sont trop sérieux. Hein, mais près d'eux, j'ai quand même le regret de mes amis, mes amours, mes emmerdes. Ouais, ça va aller, patron, je serai toujours là pour vous. Ah, tu sais, Maillot, you are the one formidable. C'est gentil, mais je comprends rien ce que vous dites. Oh, mais parfois, je me demande pourquoi je t'aime, Maillot. Hein. Toi qui te moques de moi et de tout. Je crois surtout que vous avez besoin de repos. Hein. Quelques jours de repos, patron. Tu as raison, Maillot. S'il te plaît,
Emmène-moi au bout de la terre. Emmène-moi au pays des merveilles. Bah où ça? À Saint-Martin. Moi aussi, j'ai envie de rencontrer des jeunes délinquants torse nu qui ont besoin de se réinsérer. Ah, je vois le genre. Ça va mieux, là. Oui, tu sais, Maillot, il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Vous n'êtes pas foulé, vous avez pris les textes de Charles Aznavour. Ah, c'est du boulot quand même. Ah, bah oui. Ah oui, oui. Bah oui. Et puis, il y a la façon de. Du sampling, hein. De... Il faut raconter une histoire. Il faut raconter une histoire. Et c'est surtout. C'est, voilà. C'est très beau et bel hommage à Charles Aznavour, et c'est le jour. Merci beaucoup, Régis Maillot, et on vous retrouve sur la scène à partir du 12 octobre. À partir du 12 octobre, sur la scène du Théâtre des Deux Ânes. Exactement. En marche ou grève.